Bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Alors ça fait un petit moment, non je déconne, ça fait deux. La dernière présentation a été faite lundi sur la batteuse, pardon. Et là, bah, entre temps, enfin, il y a un mode qui est sorti en fait il n'y a pas très très longtemps. Ce Dutz AgroStar, TTV, pardon, c'est l'Agroton je crois en plus, putain je sais plus le numéro, c'est formidable. Ouais, l'Agrotron TTV 620, voilà. Donc un très très joli mode que je tenais à vous présenter les amis parce que je trouve qu'on l'a pas trop vu encore en vidéo, du moins à l'heure où je tourne la vidéo, peut-être qu'entre temps il y aura eu des vidéos dessus, je ne sais pas. Mais je tenais à vous le montrer parce que c'est vraiment un mode très sympathique, vraiment très bien fait, des options à l'intérieur, vraiment sympa, donc je tenais à vous le présenter. C'est pas un mode non plus qui est fou, mais c'est un mode vraiment que moi j'aime bien parce que l'aspect extérieur, on va regarder un petit peu ensemble les amis, l'aspect extérieur, on va regarder sur celui-ci, est vraiment très bien fait, tout est très très bien détaillé les amis, c'est vraiment très propre, vous voyez tous les boutons, attendez, ah voilà, c'est ce que je voulais pas que ça fasse, vous voyez, oui, il y a tous les boutons, tout ça, c'est vraiment très très bien fait, les prises hydrauliques, tout ça, toutes les prises sont vraiment bien faites, la 3D extérieure est vraiment propre et tout, il n'y a rien à redire, on ne peut pas ouvrir le capot par exemple, mais bon, écoutez, ça c'est pas très très grave. Ah bah non, putain, décidément, genre... Ah bah putain, je ne veux pas, je veux descendre s'il vous plaît, laissez-moi descendre. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un mode vraiment très très joli. Vous voyez, tout est très bien fait. Vous pouvez le prendre avec ou sans chargeur. Alors qu'est-ce que c'est ça? Missing set warning sync. Ah, ça je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Missing set dropper in 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, les amis, je ne sais pas du tout, je n'ai même pas fait gaffe. Est-ce que c'est des codes erreurs qui s'affichent? Alors là, je ne sais pas, honnêtement, je viens juste de voir que ça s'affichait en fait. D'accord, ok, bon là, ça s'affiche plus. Je ne sais pas, ok. Bah écoutez, alors, le mode est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est une version bêta, il me semble. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Alors on va regarder tout de suite un petit peu de quoi se compose ce mode. Donc c'est DutzFair, donc Agrotron 620 TTV. Pas d'option, il n'y a pas vraiment d'option, on va dire, sur ce tracteur. On peut juste mettre un chargeur ou modifier les roues, pneus étroits, standard ou pneus larges. Donc là j'ai pris trois versions, donc il est au prix de 145 000 euros, pardon. Donc c'est un mode vraiment simple mais efficace, j'ai envie de dire, dans le sens où on a lissé à l'intérieur, donc on va monter dans celui-ci. Vous voyez, on a lissé, donc hop, je vais remettre l'affichage, tac. Donc vous avez la porte à droite qui peut s'ouvrir, la porte à gauche bien sûr qui également peut s'ouvrir, le pare-brise avant, voilà, le capot, merde, comment ça s'appelle? Ah bah j'ai perdu le nom, tiens, le dessus de la toit de la cabine, tout simplement, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vitre arrière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà. On a également le relevage qui peut se baisser, si je dis pas de conneries. Donc là, il est baissé, vous voyez. Et oui, je trouve que c'est vraiment bien fait, le... Vous voyez, je sais pas si vous voyez le détail sur le relevage, par exemple. On voit bien les trucs de verrouillage qui permettent de verrouiller les boules, en fait, d'attelage. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment propre. La 3D est vraiment soignée sur ce tracteur, c'est vraiment ce qui me plaît. Moi j'aime bien, je préfère avoir un mode de pierre qui n'a pas trop d'options, pas des options non plus de ouf, mais qui soit vraiment bien modélisé, c'est vraiment ce que j'aime. Donc je tenais à vous le présenter. Vous avez les rétros bien sûr, vous avez deux petits rétros intérieurs, un de chaque côté, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau IC? Je crois que c'est tout. Vous voyez, quand vous le démarrez, bien sûr, les aiguilles sont fonctionnelles. Niveau feu. Ah, donc il éclaire plutôt bien. Voilà, au classique. Hein, vous avez feu de travaux, tout ça. Plutôt classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là j'ai mis le petit pulvé derrière parce que voilà, question de faire une belle miniature sur la vidéo et question de voir un petit peu. Voilà, donc on est en route de traitement, ça paraissait logique. Donc on va rouler un petit peu avec, au pire, juste peut-être fermer au pire les portes, ça pourrait être judicieux. Merde. Ah oui, mais j'avais enlevé. Pardon, autant pour moi. Autant pour moi, voilà. Tac, donc là oui, on va faire un petit tour, les amis. Bien sûr, vous avez les gyrophares également sur ce tracteur. Voilà, donc on va juste un petit tour pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas très lisible. Les compteurs, tout, enfin la vitesse, tout ça qui s'affiche en digital. Voilà, bon, après les manettes ne bougent pas par exemple, mais voilà, comme j'ai dit, c'est pas un mode non plus ouf niveau fonctionnalité, mais c'est un mode qui est vraiment sympathique dans l'aspect en général. Moi, c'est ce que j'aime, donc je tenais à vous le présenter. Je sais que pas mal d'entre vous seraient intéressés par ce mode là, parce que je sais que ce genre de tracteur plaît à énormément de monde. Oula, par contre, je vais éviter. Ah, bah voilà, je vais éviter d'entrer dans la voiture, mais non. Je sais que ce tracteur plaira à beaucoup d'entre vous, donc du coup, je tenais à vous le présenter pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Donc, je le répète, je mets le lien en description, bien sûr, ça va de soi. Je crois que c'est une version bêta, s'il me semble. Peut-être qu'il y aura d'autres versions qui vont sortir par la suite, je ne sais pas, sûrement. Mais c'est un mode qui est vraiment bien fini, bien complet. Il est pas pixelisé, on n'a pas de chute de FPS, je crois, pour être complet en le regardant dans tous les sens. Enfin, voilà, des fois, on peut avoir des chutes de FPS, mais là, on n'a pas de chute de FPS, il ne fait pas bugger. Normalement il n'y a pas d'erreur dans le log. Datascript. Est-ce qu'il y a des erreurs? Je n'en vois pas. A priori je ne vois pas. Il y a la jeune souche, non. Écoutez, je ne vois pas d'erreur. À part ce petit message d'affichage qui s'était affiché au début là, je ne sais pas trop ce que c'est pour être franc. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Voilà, moi je ne sais pas tout. Et là pour le coup je sèche un petit peu ce petit message qui était apparu, mais là apparemment après il n'apparaissait plus. Il n'apparaissait plus. Ouais. Ah oh, putain, mais non, mais sérieusement. Je ne veux pas monter dedans. Enfin, si je me rebaisse un petit peu, par exemple, est-ce que ça s'affiche? Voilà. Missing. Warning things in. Alors là, je ne sais pas. Si vous savez, les amis, ce message, je ne l'avais même pas fait gaffe avant. Ça ne me l'avait pas affiché. Enfin, je n'ai pas fait attention. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Missing warning thing. Donc, ça, c'est le warning signal. Alors là, c'est sûrement un problème de fichier ou je ne sais pas quoi. Ouais, signal, ouais, 7, fin, ok. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous savez. Honnêtement, là, je ne sais pas, je sèche un petit peu. Dites-le moi en commentaire, voilà. Donc, bah écoutez, c'était tout, les amis, pour cette petite présentation de mode. Donc, on l'utilisera, bien sûr, dans la série Au bout du monde, dans le prochain épisode, avec un autre mode. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de mardi qui va sortir. Un autre mode vraiment sympa qu'on n'a pas encore vu sur YouTube et qui est vraiment très, très sympa qu'on utilisera avec ce tracteur. Donc je vous le montrerai, les amis. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais moi je l'ai pas vu en vidéo. Et je l'ai vu sur internet, tout simplement. Pas en vidéo, mais sur internet. Et on utilisera ce mode avec ce tracteur. Et les amis, c'est vraiment un mode vraiment très très sympathique. Donc soyez là mardi pour regarder la vidéo. Vous verrez, ce sera vraiment sympa, bien sûr. Et puis voilà. Voilà, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je ne crois pas. On a regardé dans le shop, vous voyez. Les détails des prises, tout ça, c'est vraiment bien fait, hein. Il est vraiment joli ce tracteur, pardon. Peut-être que certains diront que je m'extase pour rien, mais moi j'aime bien quand les 3D sont vraiment bien finis. Vous voyez le marchepied, tout est bien fini, voilà. Vous voyez, on a quelques durites au niveau du moteur, tout ça, quelques tuyaux qui apparaissent. Le capot est vraiment propre, il est vraiment joli. Moi, c'est des trucs que j'aime. C'est des trucs que j'aime et voilà, je tenais à vous le montrer. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, voilà, bah écoutez, c'est chose faite. Je voulais vous remercier les amis également, parce que là, à l'heure actuelle, on est peut-être. Alors là, je tourne la vidéo, on s'approche des 7000 abonnés. Peut-être qu'on les aura dépassés quand la vidéo sortira, je ne sais pas. Mais je tenais à vous remercier les amis, parce que franchement, bah ça fait vraiment plaisir. Enfin, vraiment un grand merci à vous, les amis. Franchement, sans vous. Enfin, vous êtes des fous, tout simplement, les amis. Vous êtes des fous. Voilà, ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous, je sais que ça va vous dire. Voilà, 7000 abonnés, c'est un truc de fou, et j'espère que ça continuera à augmenter. Je l'espère, voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va se tasser, parce que voilà, bon, toutes les bonnes choses ont une fin, mais au bout d'un moment, voilà. Mais j'espère que ça continuera à augmenter, que le contenu vous plaît toujours. Voilà, j'essaie de faire au mieux, comme d'habitude, pour faire des vidéos de qualité, qui soient plaisantes à regarder. Moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire, donc je vois que dans les commentaires, ça a l'air de vous plaire globalement. À 99%, ça vous plaît. Donc, un grand merci à vous, les amis. Ça fait ultra plaisir. Bah, écoutez, les amis, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo présentation de mode.
Vous voyez que j'ai également pris, là, si on est sur OpenStreetMap, concession d'Hotsphar, hein, pour aller avec avec le reste. Pour aller avec les tracteurs, ça va de soi. Voilà. Bah, écoutez, les amis, n'hésitez pas à mettre d'autres petites précisions. Si jamais j'ai oublié des choses, ça se peut. Voilà, je suis pas infaillible. Dites-le en commentaire, ça peut en intéresser certains. Je répète, le lien en description, il sera en description, le lien de ce mode. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Bah, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vert, bien sûr, en bas de la vidéo, si elle vous a plu. Pensez à commenter. Moi, je vous réponds à tous les commentaires globalement, au maximum de toute façon. Donc, mettez un commentaire, je vous répondrai. Ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire, ça peut paraître rien, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, enfin voilà. Lâchez les commentaires, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Pensez bien sûr à vous abonner, bien sûr, ça va de soi, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!